Mm-hmm. <clears throat> Salam alaikum à tout le monde. Salam, 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 les amis. Salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo, les amis, dans tous les groupes possibles. Et taguez-moi Malik sans frontières. C'est de lui, il s'agit. Taguez-le-moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Partagez au maximum la vidéo. On va régler quelques points. Le pays va mal. Le pays va mal. Bienvenue, bienvenue sur la page Jeune Visionnaire, votre page préférée. Bienvenue, mes, mes fanatiques. Bienvenue, mesdames et messieurs les abonnés, mes chers abonnés. Donc, euh, partagez au maximum cette vidéo. On va aller plus vite. Plus vite et plus précis. Appelez Madix sans frontières qui viennent s'asseoir, qu'ils viennent s'asseoir et écouter Monsieur Kanté. C'est très important pour lui. C'est très important pour Madix sans frontières. On va attendre un peu. Avant de commencer ce live. Donc, vous partagez au maximum la vidéo, un maximum de partage dans tous les groupes possibles. Et puis, on avance. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Mettez des étoiles pour soutenir évidemment votre page préférée, la page de visionnaire. C'est très important. Très important, mesdames et messieurs. Appelez Madix sans frontières. Madik sans frontières. Madik qui n'a certainement pas de frontières ou Madik qui possède sans frontières. C'est l'un des deux. Il va nous expliquer soit il est sans frontières, c'est-à-dire que ses propos sont sans frontières, et que son combat est sans frontières, son engagement est sans frontières, sa vision est sans frontières, sa conviction est sans frontières, soit c'est ça soit lui-même possède 100 frontières, c'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à 100. C'est l'un des deux. Comme l'a guidé, effectivement, euh, à six frontières, officiellement, la frontière guinéo-malienne, la frontière guinéo-sénégalaise, la frontière guinéo-libérienne, la frontière guinéo-léonaise, la frontière guiné-bissagaise, ainsi de suite. 6. Donc, si Madique possède 100 frontières, ou si m'a dit que euh, ses propos sont sans frontières, ça doit être l'un des deux. Donc, partagez au maximum la vidéo et appelez-moi M'a sans frontières. Tout court. À l'état civil, Mamadi Condé. Mamadi Condé. Le phénomène des Condés. Ouais. Je vais rapidement et le dire deux, trois mots très importants et très précis pour qu'il aille et pour qu'il comprenne les choses. Parce que vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes facultés pour comprendre les choses. Madik sans frontières à la barre. À la barre. Taguez-le moi. Dites-lui que M. Cantier est en direct. Il a voulu créer un buzz. En parlant de M. Kanté, Fama Kanté, Fama Kanté, Fama Kanté, Fama Kanté. Fama Kanté est ceci, Fama Kanté est cela. Fama Kanté, il faut aller, Fama Kanté, il faut faire ceci. Fama Kanté, ton CV, Fama Kanté, ton diplôme. Fama Kanté, le forgeron, Fama Kanté, tu ne veux pas la paix. Fama Kanté, tu es contre le colonel Madi Dumbuya. Fama Kanté, tu débordes, Fama Kanté, tu fais ceci. Fama Kanté, les Kantés sont forgerons. <laughs> Ça me fait rire, Frangin, Madique sans frontières. Parce que mon cher, tu sais, en réalité, Ahmed Sektouré nous a dit que pour que l'homme puisse, puisse élever constamment le niveau de sa conscience, pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience, il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques, accumuler et développer ses expériences, savoir analyser et choisir, pouvoir agir concrètement et exprimer ce qu'il sent ou connaît, aimer et se faire aimer. Je pense que mon cher Frangin, Madic sans frontières, il a d'abord besoin d'accroître ses connaissances théoriques et pratiques. Il a besoin d'accumuler ses expériences. Il a besoin de chercher à faire ce qu'on appelle la bonne communication. Parce que la redondance, ce n'est pas la communication. Parler sans aucune euh, logique, ce n'est pas la communication. Parler dans l'incohérence totale, ce n'est pas la communication, mon cher. Mon cher frère, en réalité, je pense que tu dois chercher à savoir qui est M. Kanté avant de t'attaquer à M. Kanté. Tu dois savoir qui est ce monsieur, ce génome. Est-ce qu'il est dans la même logique que moi ou pas? Mais avant d'aller plus loin dans ce live, mesdames et messieurs, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Avant d'aller plus loin dans ce live, m'a dit que Mamadi à l'état civil, tu dois savoir mon nom c'est Monsieur Soumaoro Kanté, Monsieur Fama Soumaoro Kanté. Et en tant que fils de Mandingue, Malik Mamadi Condé, en tant que fils du Mandingue, du grand Mandingue. Tu me dois le maximum de respect en tant que Soumaoro Kanté. Tu me dois le maximum de respect pour deux choses. Et quand tu me vois, si tu connais bien ton histoire, tu connais bien l'histoire du Mandingue, tu connais bien l'histoire de nos ancêtres, tu dois baisser la tête en me regardant et en me parlant. Je suis ton maître. Je suis ton professeur. Je suis ton roi. Tu as voulu parler de l'histoire de Kanté en notant toutes les valeurs que les Kanté ont. En disant tout simplement, les Kanté sont des forgerons. Tu peux, tu, il fallait plutôt dire, parmi les qualités des Kanté, Soumaro Kanté, figure l'art de forger le métal. Parmi les qualités. Parce que les Soumaro Kanté ont multiples qualités. Les Soumaro Kanté, avant tout, sont des très grands guerriers. Les Sumau Kanté avant tout, sont des très grands chefs. Les Sumau Kanté avant tout, sont des intellectuels. Les Sumau Kanté avant tout, sont vos maîtres. Les maîtres du mandingue. Et ce sont les Sumau Kanté qui peuvent réunir tous les fils dignes du mandingue, les faire asseoir et leur parler. Parce que Soumarokanté a dompté. Les parents des Mandenka. Soumaoro Kanté n'est pas du Mandingue, Il est venu s'imposer sur les Mandenka. C'est le roi de l'Empire Soso. Il est venu de Soso. Il s'est imposé, il a dompté le grand royaume du mandingue pendant plus de trente et quelques années. Et Soumaoro est venu avec son nom, Soumaoro. Il ne l'a pas acheté. Il est né avec l'enfant de, de trois femmes, évidemment. Et le nom Kanté, il a eu au Mandingue Grâce à sa force. Grâce à son influence. Quand il a imposé sa force au Mandinka, qui les a colonisés, qui les a faits, euh, ce qu'il a voulu, à Malinke, on dit ça. Anma Len Ki, Ko Sou Mawro, Ka manden kal dadwou w boni kono. Manden kal treba ki, писal la, précis julat w boni kono. W lèkoson, manden kal men treba w ko li, koujoun, ka manden kal dab la w boni kono, dou l laf, evne kan ti li kan ti. Ko Sou Mawro li kan ti. Sou Mawro li kan ti. Sou Mawro li kan ti. Sou Mawro li ka manden kal dab la w boni kono, pase koni kan manden kal las langde. Sou Mawro li kan ti. Sou Mawro li kan ti. ton la Ognali. Du fait d'avoir peur de Soumauro Kanté. C'est la voix de Soumauro. Ça veut dire Soumauro les Kanté. C'est la voix de Soumauro. Ça veut dire Kanté. Donc, tu ne peux pas ôter de Soumauro le Kanté. Soumauro est bien avant le nom Kanté. Il faut connaître l'histoire de cet homme mystérieux et mystique, Soumauro Kanté. Et je t'ai dit que je vais te donner un petit cours d'histoire. Je ne sais pas si tu connais ta provenance, Maman dit Condé. Si tu connais l'étymologie et l'origine de ton nom, Condé. Condé, il faut que je t'explique, Maman dit Condé, pour que tu comprennes. Ça veut dire quoi, Condé Condé vient... De cette femme qui s'appelle Con, dans le village de Do, au fin fond du Manding. le village de la maman de Sundiata Keita, qui s'appelait Sogolon Keju. Dans ce village vivait une femme qui s'appelait Con, une amatrice sorcière, qui ôtait la vie des tierces personnes par un pouvoir, par la magie noire. Et pour créer une distinction entre ses progénitures et les autres enfants du village, du village d'eau, elle, euh, elle a attaché une sorte d'amulette au cou de ses enfants et de ses petits-enfants. Une, une sorte d'amulette à leur cou et à leurs bras. Cette femme s'appelait, cette vieille sorcière, amatrice de la sorcellerie, s'appelait Con. Pour ceux qui connaissent évidemment l'histoire, et donc ces concitoyens, c'est-à-dire euh, les autres membres de ce village, en voyant les amulettes au cou de la progéniture ou des progénitures de cette vieille dame qui s'appelait Con, ils les appelaient en malinqué Condeen deetin, Con la femme qui s'appelle Con, De les fils, les enfants de Con. Donc, c'est comme ça le nom Condé est venu au mandingue. Condé, -nous, les enfants de con. C'est comme une femme, Peul, qui s'appelait par exemple Ba, sorcière du village, qui veut créer une distinction entre sa progéniture et la progéniture des autres parents du village. Elle attachait par exemple quelque chose au bras de ses enfants et que les autres villageois, voyant ses enfants, disent Badin. Badin. Din ça veut dire enfant. Ba c'est le nom de la dame. Donc la composition de ces mots, c'est deux, c'est-à-dire c'est un mot composé. Kon din, ba din. Donc les enfants de Ba. C'est comme ça les Condé sont venus. M'a dit que ça c'est l'étymologie de ton nom Condé. Et tu dois savoir que le nom Sumaoro existe avant la création du nom Condé. Donc, le nom Sumaoro est plus âgé que le nom Kondé. Tu dois respecter les Soumauro, D'accord Parce que ce que tu dois savoir, Soumauro est plus âgé que Keita. Soumauro est plus âgé que la plupart des noms du Mandingue. Moi, je ne suis pas du Mandingue. Je suis le roi de l'Empire Soso. Je suis venu m'imposer sur les mandinka. Parce que tout simplement, il y avait un désaccord entre eux. Et il a fallu une armée de coalition pour s'attaquer à Soumaoro Kanté. Une armée de coalition. Parce qu'il n'y avait aucun chef du mandingue qui pouvait déloger Soumaoro Kanté à la tête du mandingue. Il a fallu une grande armée de coalition. Plus même le neveu de Soumaoro Kanté qui s'appelait Fakoli Kumba. Fakouli était l'un des généraux de Soumaoro Kanté. Il y a eu mésentente entre Fakouli et Soumaoro. Fakouli alors qui a déserté de l'armée de Soumaoro et qui a rejoint Sunyata Keita, le nouveau prince du Manding. Et malgré la coalition de cette grande armée, il a fallu la trahison d'une des femmes de Soumaoro pour que cette armée de coalition puisse déloger Soumaoro Kanté du Manding. Et aucun Mandinka ne te dira que ça c'est le corps de Soumarou Kanté. C'est ici on a enterré son corps. Donc Soumarou était à la fois. Tu sais que c'est Soumarou Kanté qui a appris l'art, c'est-à-dire la science de la métallurgie, la science de la forge du métal au Mandenka. Oui, c'est Soumarou Kanté. Il était à la fois roi à la fois chef intellectuel, à la fois un forgeron, à la fois le maître des sorciers, à la fois le roi et à la fois l'organisateur. Il était au début, au milieu et à la fin de tous ces mouvements. Et par la peur, vous demanderez certains malinqués, certains mandinka, ils vous diront que Sumaru n'était pas un être humain. On l'appelle d'ailleurs souvent Sumauro Binging. Sumauro Suba. Sumauro Kanté est à respecter. Ça, c'était justement un petit cours d'histoire que j'avais à te donner, Mamadi Kondé. Alors, je vais revenir à nos mots et ton, Parce que tu as parlé, tu as en disant Sumauro Kanté, les, les Kantés sont des forgerons. Pour des personnes lambda, des personnes qui n'ont pas, qui ne savent pas ce que c'est que l'histoire, qui ne savent pas ce que c'est que l'histoire de Kanté, l'histoire de Sumaro, l'histoire de Condé, ces personnes l'apprendront, euh, ce mot forgeront comme une sorte de moquerie. Ils comprennent pas. Ils savent pas que la forge du métal est l'origine de la métallurgie, est l'origine de la science, de la technique et de la technologie qui créent aujourd'hui les bateaux, les avions et tout ça. Maman dit, Condé, écoute-moi très bien. Je suis ton maître. Maître, maître, sur tous les plans. Alors, dans un balbutiement sans précédent, tu as essayé de décortiquer l'une de mes vidéos où j'ai expliqué explicitement et intelligiblement le... L'affaire du 28 septembre, tu as tenté d'expliquer, mais tu, tu balbutiais. c'est-à-dire tu tâtonnais, tu expliquais d'une façon erronée. Mon cher Mamadi Condé, tu n'as pas affaire avec moi. Je ne suis pas ton adversaire, encore moins ton ennemi. Je suis ton maître. Si tu veux de l'enseignement, je peux t'enseigner. C'est gratuit. Tu dois comprendre que je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis pas contre le colonel Omadi Doumbouya. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui aime plus le colonel Oumadi Doumbouya que tous les Guinéens, c'est bien évidemment M. Kanté. Parce que chaque soir, quand je fais mes lives, je parle du colonel. Je défends l'énergie du colonel. Et je sais que le colonel Oumadi Doumbouya est bien conscient de cela. Le colonel sait que. Je suis à ses côtés. Le colonel sait que je dément ceux qui veulent intoxiquer la population, ceux qui veulent remonter la population contre le colonel. Le colonel, il sait que je suis un visionnaire. Il sait que je, je, je le conseille. Mais tu sais, il faut qu'on soit objectif, dit ma Condé. Le colonel, ce n'est pas un homme parfait. Monsieur Canty n'est pas parfait. Le colonel, il va faire des erreurs. Je vais le conseiller pour qu'il comprenne. Et d'ailleurs, la vidéo que tu as essayé de décortiquer, décrypter, d'une façon erronée, d'une façon incomprise, parce que c'est comme ça que je dis. Vous savez, on dit souvent que on peut écouter sans comprendre. On peut comprendre sans savoir interpréter. Et il y a quelqu'un qui disait que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour. Les mots pour les dire arrivent aisément. Madique n'a pas compris. Maman dit, Condé, il n'a pas compris ma vidéo. Non, il n'a pas compris ma vidéo. C'est pourquoi. Il a entendu, mais il n'a pas compris la vidéo. Et c'est pourquoi il a eu du mal à interpréter ou à décrypter ma vidéo. Maman dit, Condé, je suis ton maître. Je ne suis pas responsable. Si certainement tu as séché tes cours de français, non. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable si tu n'as pas été à l'école, euh, au lycée ou à l'université. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable du fait que tu ne fasses pas assez de lecture pour comprendre la, la signification des mots en français et des phrases. Je ne suis pas responsable, mon cher. Mais si tu veux des renseignements, si tu veux te faire... Euh, euh, si tu veux apprendre le français et si tu veux connaître l'histoire de l'Afrique, je vais te donner un document parce que moi je suis un lecteur fin. Je lis, je lis, je lis, je lis. Je vais te donner un document, ça va te permettre d'enrichir ta mémoire et ça va te permettre d'aller plus loin dans tes actions politiques et tout ça. Ce livre, ce document, il s'appelle L'histoire de l'Afrique hier à demain de Joseph Kizerbo. Tu vas chercher dans les bibliothèques. L'auteur, c'est Joseph Kizerbo. Et le livre, le document, c'est un document très volumineux. Il s'appelle « L'histoire de l'Afrique hier à demain ». Prends ton temps. Lis ce document du début jusqu'à la fin. Ça va te prendre certainement une année parce que je sais que tu as du mal à lire, tu as du mal à comprendre. Il faut te munir d'un dictionnaire Larousse. Ça va te permettre de comprendre. Et si tu as des lacunes, tu me fais signe. Je vais t'aider. Parce que ce document, moi, je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Et pour que tu comprennes réellement le fonctionnement de certaines choses, je t'invite aussi à lire les tomes Sekou Sektouré, des livres concernant la Guinée. Et si tu veux aller plus loin pour t'enrichir en matière de, de, de connaissances, je te dirais de faire signe aux intellectuels de Tombouctou. Ceux qui détiennent le savoir de l'Afrique. Et très particulièrement de l'Afrique occidentale. Moi, je suis quelqu'un qui lit. Je ne suis pas un intellectuel. Non. Tout ce que je dis sur les réseaux sociaux, j'ai partout appris à l'école. Il n'y a pas un diplôme pour apprendre tout à l'école. Mais je suis un élève qui lit. Je ne suis même pas un étudiant. Je lis, je lis, je lis, je lis. Tous les jours, je lis. Oui. Ma vie est cadrée, concentrée sur ça. Je ne suis pas un savant, encore moins un intellectuel. Je suis aux côtés des hommes qui connaissent et qui, qui, qui ont le savoir en eux. Moi, je ne suis que quelqu'un qui fait partie de cette classe qui ont des nouveaux oreilles. Et donc, j'écoute les anciennes bouches. Parce que quand les anciennes bouches anciennes nah, racontent, les nouveaux oreilles doivent euh, écouter attentivement et comprendre. Nous, nous sommes des nouveaux oreilles. Les anciennes bouches nah, racontent. Et nous devons avoir le savoir d'écouter et de comprendre. Et si on ne comprend pas quelque chose, on doit les demander pour qu'ils nous expliquent encore beaucoup plus simplement. Maman dit Condé. J'ai parlé du dossier du 28 septembre. Tu as mal compris, mon cher. Les gens m'ont envoyé la vidéo, je l'ai écoutée, je me dis, oui, il a, il a mal compris. Certainement, il a mal compris. Tu ne m'as pas insulté dans la vidéo, non. Tu n'as pas été insolent dans la vidéo, non. Je ne vais pas mentir. Tu n'as pas tenu des propos euh, outranciers, d'accord, dans cette vidéo à l'encontre de M. Kanté, non. Je dirais tout simplement que tu as été un jeune qui n'a pas compris. Tu fais partie de ces jeunes qui n'ont pas compris cette vidéo. Quand je dis que la réconciliation entre Dadis Kamara et Sekouba Konate, c'est une réconciliation de façade, c'est une réconciliation de forme. C'est pas formel, c'est pas foncière. Aux yeux du peuple, ça n'a pas assez de valeur. C'est entre les frères d'armes. La réconciliation entre Dadis et Sekouba, ça n'a rien à voir avec la réconciliation de l'armée et le peuple. C'est l'armée et le peuple qui se sont retrouvés au stade du 28 septembre. Il y a eu problème entre l'armée et le peuple. L'armée a mal réagi vis-à-vis -vis du peuple. Alors c'est un problème entre l'armée et le peuple. Et donc, quand on réconcilie deux frères d'armes, ça ne concerne qu'eux. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Le peuple demande réparation et cette réparation ne peut se faire qu'à travers une justice équitable, égalitaire. On m a dit, Condé. demandez la justice, c'est ce qui prouve que je suis contre le colonel Mamadi Doumbouya. Et tenter d'expliquer la complexité de cette situation, de, de cet événement du 28 septembre, c'est être contre le colonel Mamadi Doumbouya Non. Là, je comprends que mon cher frère Frangin. Certainement tu es perturbé. Mais laisse-moi t'apporter mon aide. L'aide que je vais t'apporter, ça sera une aide euh, basée sur la franchise, l'honnêteté. Parce que, Mamadi Kondé, à un moment donné de ta vie, tu as fait une erreur fatale, une erreur irréparable. Seul le bon Dieu, Allah, qui t'a sauvé. Tu as été naïf à un moment donné de ta vie. Ça se fait pas. Ne le reproduis plus. Cette erreur, c'est quoi? C'est d'avoir critiqué un régime dictatorial. C'est d'avoir combattu un régime dictatorial à travers tes moyens, sur les réseaux sociaux, la communication. C'est d'avoir ébranlé même, c'est d'avoir déstabilisé même ce régime à travers ton verbe. C'est d'avoir été franc et dur. Envers ce régime dictatorial que nous tous nous avons eu à un moment donné à combattre, ce système diabolique, ce système basé sur le mensonge et la tromperie, ce système qui a marginalisé tant nos concitoyens. Nous nous sommes en Europe. Après avoir combattu ce système, tu as été naïf. Là, c'est là où je dis que tu as été naïf. Tu t'es déplacé, aller en Guinée. C'est de la naïveté pure et simple. Ouais, tu n'as pas été conseillé par de bonnes personnes. C'est que l'acte que tu as fait, te déplacer de Canada à la Guinée, ça, ce n'est pas l'acte d'un homme. C'est l'acte d'un naïf, tout simplement. Tu devrais prendre l'exemple sur Alpha Condé lui-même. Alpha Condé a beau critiquer le régime d'Ahmed Sektouré. Durant toute la période d'Amer Sectoré, les 26 ans d'Amer Sectoré, de 1958 à 1984, Alpha Condé n'est pas allé en Guinée et se montrer officiellement aux côtés d'un leader. Alpha Condé, il a été très intelligent, plus intelligent que toi, Madix sans frontières. Tu es allé directement dans la gueule du long. Ça ne se fait pas. Ça, c'est pas l'audace, c'est de la naïveté. On ne fait pas cela, il ne faut plus jamais le faire. Ce n'est pas de l'audace, ça, ça c'est de la naïveté. Tu aurais pu perdre la vie, mon cher. Il y a combien de cadres chinois aujourd'hui aux États-Unis qui sont en train de combattre le, 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 le régime chinois à partir des États-Unis sur les réseaux sociaux? Des personnes qui sont beaucoup plus riches que vous et nous. Mais qui restent aux États-Unis, en Europe ici, et qui combattent le régime en Chine. Penses-tu que ces gens-là vont descendre un jour en Chine pour aller se livrer à ce même système? Non. Tu n'as pas été homme en te livrant à Alpha Condé. Tu n'as pas été homme en te livrant au système d'Alpha Condé. Là, tu as été naïf, mon cher. C'est pas comme ça on mène le combat politique. Et? Tu as fait la prison. Tu as perdu euh, euh, mentalement quelque chose. Tu as eu peur parce que certainement c'était ta première fois de goûter à la prison, une prison euh, de l'envergure de la maison centrale en Madikondé. Tu as eu peur. Tu as été dépassé. Moralement, tu as été abattu. Et à ta sortie de prison, ce qui a d'abord marqué les gens. C'est que toi, Mamadi Kondé, qui as osé quitter les, le Canada et aller en Guinée, tu as pensé que c'était de l'audace. Et tu as oublié cette audace au tribunal. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui a chiffonné ta dignité, Mamadi Kondé. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui a marginalisé tes parents, Mamadi Kondé. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui est à la base même de ton exil, s'il faut dire. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui a abattu de sang-froid tes jeunes frères de l'Axe. Tu as demandé pardon à quelqu'un qui a emprisonné injustement tes compatriotes parce qu'ils défendent ce qui leur est dû, qui est la constitution guinéenne. Toi, à un moment même donné, tu as combattu ce même système. Tu as défendu cette même constitution. Et tu allais demander pardon à ce démon. Tu l'as fait. C'est pas la conviction d'un homme réel. D'un homme audacieux. Tu sais combien d'années Nelson Mandela a fait hein? Combien d'années il a fait en prison Tu sais à quel âge Nelson Mandela a fait Il est rentré en prison. Est-ce que tu connais le nombre de propositions que le système qui était d'alors dans ce pays Sud-Afrique Tu sais, tu connais le nombre de propositions qui a été faite à Nelson Mandela pour qu'il puisse sortir de prison, mais tout en acceptant de trahir ou de changer la forme de sa lutte politique. Il a toujours dit non. Non. Et il a fait 27 ans en prison. Toi, tu n'as pas fait une année, tu as désisté, maman dit Condé. Et après, tu t'es mis à raconter de n'importe quoi sur les réseaux, dans les grandes gueules. Je me souviens, le jour que tu parlais, des gens m'ont dit, Mamadi Kondé est en train de parler. Monsieur Kanté, à un moment donné, tu as défendu Mamadi Kondé, Mamadi sans frontières sur les réseaux sociaux. Tu as critiqué plus de plus dix de fois, tu as demandé la libération des Mamadi sans frontières, des Founiki Menge, des Ousmane Gawal. Et si, tu as fait des émissions, tu as parlé de Mamadi Kondé, tu as même fait son éloge. Tu as dit que Mamadi Kondé a été injustement détenu à la maison centrale. Monsieur Kanté, tu l'as fait. Mais écoute aujourd'hui ce Mamadi Kondé. Il a perdu la tête. La prison a eu raison sur lui. Je dis non. La prison, ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui est Nelson Mandela. Et ce n'est pas tout le monde qui sera Nelson Mandela. Ce n'est pas tout le monde qui est animé par l'esprit de Nelson Mandela. Donc, pardonnez Mamadi Kondé et sans frontières. Et à ta place. Je me serais tu, si j'étais animé par les mêmes esprits que toi. Mais vu que je ne suis pas animé par les mêmes esprits que toi, vu que je n'ai pas les mêmes mentalités que toi, moi, je ne pouvais pas descendre en Guinée au temps de ce régime diabolique. Non, c'est pas être audacieux. Non, tu as été naïf, Maman dit Kondé. Tu dois comprendre cela. Tu ne dois pas te glorifier en disant, j'ai été sur le terrain, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu as été naïf, mon cher. Tu aurais dû perdre la vie là-dedans. Et aujourd'hui, euh, voilà, on allait continuer à parler de Madik sans frontières, c'est tout. Tu as été naïf. Ce n'est pas comme ça qu'on mène le combat politique. Tu dis, je me suis tenu aux côtés d'un ludeur. Monsieur Kanté, toi, qu'est-ce que tu fais Définis ta position. Ma position, c'est un, une position euh, centrique. Je suis au beau milieu. Je critique qui je veux. Si je veux, demain, je peux taper sur M. Siroudaline Diallo. Je ne suis ni de près, ni de loin militant sympathisant de l'UFDG. Ni de près, ni de loin militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Je suis impartial. Et vu que M. Siroudaline n'est pas encore au pouvoir, je me retiens encore. Le jour qu'il sera au pouvoir et qu'il va mal faire les choses ces militants sympathisants sauront qui est véritablement ce monsieur Kanté. Parce que je ne serai pas doux avec lui. Je serai encore plus cynique, plus terrible envers Sénoud Allen et plus farouche envers Sénoud Allen que je le suis ou que je, je l'ai été vis-à-vis d'Alpha Condé. Parce que je n'ai jamais cru à Alpha Condé. Par contre, je crois au combat. Je crois au patriotisme, au nationalisme. Je crois à la vision, à l'idéologie de Serouda Diallo et non de l'UFDG. Je suis selou, je le dis tout le temps. Je ne suis pas de l'UFDG, mais je suis selou. Parce que selou, il est canté. Nous conjuguons le même verbe, nous avons la même vocation. C'est lui de doter la Guinée d'un système efficace. C'est lui de doter la Guinée d'une administration forte, pouvant répondre aux aspirations du peuple de Guinée. C'est cela mon combat. Et je pense, je pense, j'estime que c'est cela aussi le combat de Céluda Parce que sans un système fort, sans une administration forte, on ne peut aller de l'avant. On veut le progrès, le développement. Je suis dans cette logique. Et j'estime que, je pense, je crois d'ailleurs que son excellence CDD est dans, le même, est dans la même logique. Mamadi Kondé, qui es-tu? Qui es-tu, Mamadi Kondé? Madic sans frontières. Tu sais frangin, en temps normal, moi tu m'appelles maître, mais comme c'est sur les réseaux sociaux, évidemment, tu veux faire ton retour parce que tu as déconné. Alors moi je plaide pour la cause de Madix sans frontières. Les abonnés de Madix sans frontières, pardonnez Madix sans frontières, s'il vous plaît pour l'amour de Dieu. Le frangin il a déconné à un moment donné. Vous vous êtes senti trahi par Madik Sans Frontières. Parce qu'il y a des gens qui dormaient Madik Sans Frontières, qui les, qui se levaient Madik Sans Frontières, qui se lève qui, qui se lavaient Madik Sans Frontières, qui, qui mangeaient avec Madix Sans Frontières, qui priaient avec Madix Sans Frontières, qui ont prié pour la libération de Madik Sans Frontières. Ces gens là ne pouvaient pas imaginer que Madik pouvait sortir de prison et venir ten, tenir des propos pareils. M'a dit que tu as blessé des milliers de jeunes qui croyaient en toi. C'est ce que je ne cesse de dire. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous devons comprendre que nous sommes suivis par des millions de personnes. Et des gens ont confiance en nous. M'a dit que sans frontières, tu dois demander pardon à tes milliers d'abonnés. Des gens qui se sont sentis blessés et qui se sentent encore blessés. Des gens qui se, sont, qui se sont sentis trahis. Parce que franchement, je vais te dire la vérité. Les gens croyaient en toi et à ta capacité. Les gens s'identifiaient en toi, surtout des jeunes. Au lieu de te mettre à raconter de n'importe quoi, la première des choses que tu dois faire d'abord, c'est de demander pardon à des milliers de personnes qui croyaient en toi. Parce que tu ne sais pas que tu as déçu des gens. Maman dit Condé. Ça, tu ne le sais pas. Alors... En ma qualité de jeune visionnaire impartial, mes deux mains sont liées dans mon dos. Je vous prie, mesdames et messieurs, vous qui avez cru à Madik sans frontières, de le pardonner, s'il vous plaît. Pour l'amour d'Allah, pour l'amour de vos parents, pour l'amour de la Guinée. Pardonnez-le. N'ayez pas de haine vis-à-vis -vis de Madik sans frontières, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu. N'ayez pas, ne soyez pas déçus de lui, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de vos enfants, pour l'amour Allah, pour l'amour de la Guinée, s'il vous plaît. Pardonnez-le. Il n'a pas compris la politique. Il a fait des erreurs. Et il a, dû, il a eu du mal à assumer ses erreurs. S'il vous plaît, pardonnez-le. C'est un enfant. C'est un jeune aujourd'hui désemparé qui veut revenir sur les réseaux sociaux, mais il ne sait pas comment le faire. Alors s'il s'est attaqué à M. Kanté, je ne dirais même pas s'attaquer à M. Kanté. S'il a parlé de M. Kanté dans euh, un de ses lives, alors il estime, c'est un message qu'il m'a envoyé. Il estime tout simplement que je suis la personne idéale pour plaider sa cause. Alors je vous demande pardon. Pardon. C'est une confiance qu'il a placée en moi. C'est comme ça, j'accueille. Cette vidéo là, je n'accueille pas cette vidéo comme si Madik me clashait. Non, Madik a regardé sur la toile. Il a regardé. et dit qui est-ce qui, est-ce que je peux attaquer ou au nom de qui je peux faire ce live pour que cette, ce, ce dernier puisse comprendre mon intention et puisse demander pardon à ma faveur. Il a placé une confiance en moi. C'est une confiance qu'il a faite. Donc je vous demande pardon s'il vous plaît. Laissez Madik François revenir sur la toile s'il vous plaît. Je vous demande pardon au nom de Madik sans frontières. Pardonnez-le. Continuez à le suivre. Je pense qu'il va gagner en maturité. S'il fait des erreurs, dites-le. Vous êtes ses abonnés. Vous l'avez cru à un moment donné. Pardonnez-le. Donnez-le une seconde chance. Il essaie de revenir parce qu'il sait que vous le manquez. Vous le manquez sincèrement. Madik a besoin de communication. Il est sorti de prison. La prison, ce n'est pas facile. Il doit se refaire. Vous êtes sa famille. Vous, ses abonnés, vous êtes, la, vous êtes les familles ou la famille de Madik sans frontières. Voyez-vous, la vie est bizarre. Moi, j'ai défendu Madik sans frontières sur la toile. Évidemment, j'ai demandé sa libération. Évidemment, je me suis battu sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il a eu à dire dans cette vidéo concernant M. Kanté, ne prenez pas ça au premier degré. Je ne l'ai pas pris au premier degré. J'ai compris dans le sens où il demande mon aide. Alors je l'apporte cette aide sur un plateau de télévision. Acceptez-le, pardonnez-le, s'il vous plaît. Ne l'insultez pas, ne le critiquez pas. Quand il lance souvent ses lives, allez-y l'encourager, c'est très important. Il va comprendre que la Guinée est une famille. Il va comprendre qu'il a commis une erreur et M. Kanté lui a aidé. À se faire pardonner. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, Madik n'est pas mon adversaire. Il ne peut pas être mon adversaire. C'est mon esclave. C'est mon esclave, évidemment. Ah oui, tous les fils du Manding sont mes esclaves. Sur mon rocanté, ils sont mes esclaves. <laughs> Donc, est-ce que le maître peut considérer son esclave comme son adversaire Non. Condé, c'est mon esclave. S'il vous plaît, pardonnez-le. Je vous en prie, à cause de Dieu, ne vous en prenez pas, à Madik. D'accord À chaque fois qu'il lance, qu lance ses lives, s'il vous plaît, regardez-le, partagez ses lives. C'est vous qui avez fait de Madik ce qu'il est, qu est aujourd'hui. Parce que grâce à vous, toute la Guinée a connu Madik. Madik, tu dois savoir que c'est grâce aux militants sympathisants de l'UFDG que tu es devenu Madik sans frontières. Parce que si tu fais tes lives, à chaque fois que tu faisais tes lives, s'il y avait 1000 partages, au moins 800 ou 900 partages, c'était les militants sympathisants de l'UFDG. Et ce sont en grande partie ces militants sympathisants de l'UFDG que tu as déçus par ton comportement. Mais moi, je te comprends, la prison n'est pas facile. Tu parles de mon diplôme, tu parles d'aller sur le terrain. Tu sais, elle m'a dit sans frontières. C'est comment je fais sur les réseaux sociaux. C'est que nous, les hommes beaucoup plus avertis, réfléchis, avec un peu d'intelligence, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus que la plupart des gens qui sont sur le terrain en Guinée. Nous contribuons largement à la sensibilisation du peuple de Guinée. Nous, continuons, nous contribuons largement à l'information au peuple de Guinée. Nous continuons largement à, à combattre. L'intoxication de notre peuple et la désinformation de notre peuple. Tu t'imagines, si M. Kanté n'était pas sur les réseaux sociaux, toi, à un moment donné, tu as mené un combat. En même temps, je menais aussi le même combat. Mais moi, j'étais beaucoup plus structuré, Madika. Tu vois J'étais beaucoup plus cadré, quoi. Parce que je voyais souvent tes émissions, tu débordais parfois. Mais je ne pouvais pas te cadrer parce que tu t'estimais haut. Je me suis dit, le moment viendra où je vais parler à mon jeune frère, certainement. D'accord. Mais à travers les erreurs, on apprend. Tu as commis une erreur et tu as appris. Et va, tu, vas, tu vas continuer à apprendre. Tu sais, Mamadi est le combat que moi j'ai mené, la moitié, tu ne peux pas mener. Tu ne peux pas mener. Moi j'ai d'abord combattu le régime de l'ancien à Comté. Les mouvements du, de 2006, 2006. La grève générale, le 22 janvier 2007, le massacre. C'est nous qui avons été, c'est nous qui étions des mois au 8 novembre. Je sais ce que j'ai enduré et je sais ce que mes amis et moi nous avons enduré. Nous avons fait face à l'armée. Toi tu as été cueilli, on t'a en prison. Et là, ce n'était pas la prison pour nous. C'était tout le monde se cherche parce que c'est les balles qui crépitaient, qui sifflaient. Tu connais le nombre Moi je suis un miraculé, mon cher. Tous ceux qui me connaissent savent qui je suis. Ce jour-là, je dis aujourd'hui Dieu merci. Parce que oui, nous étions face l'ange, l'ange de la mort lui-même. Aucun Guinéen n'oublie à ce moment-là. Des combats, des combats, des combats politiques, je l'ai mené. Maman dit Condé. Peut-être que toi, c'est ta première fois de faire la prison. Moi, je ne vais pas me glorifier d'avoir fait la prison. Parce que la prison, ce n'est pas la place de quelqu'un. Mais la prison, comme on dit en Malinke, que c'est le deuxième domicile de tout homme. Tu vois Donc, je ne te dirai pas le nombre de fois où j'ai fait la prison. Non, je ne te le dirai pas. Et tu dis, M. Kanté, il faut aller en Guinée. Avec ton diplôme, tu vas aller intégrer le CNT, Conseil national de transition. Tu sais, ma Maman dit Condé. En réalité, après le coup du 5 septembre, j'ai vu beaucoup de diaspora descendre en Guinée. J'ai vu des personnes fréquenter le colonel Mamadi Doumbouya. J'ai vu des gens aller se faire vendre. Tu sais, ce n'est pas ma vocation. Non, ça c'est pas ma vocation, Mamadi Condé Je ne suis pas pressé. Et tu vas plus loin en disant, ben, si tu es compétent, il faut aller créer alors un parti politique. Évidemment, je vais créer un parti politique. Et certainement, tu seras mon chargé de rassemblement. Oui. La création d'un parti politique, c'est de l'eau à boire. Il suffit juste d'avoir un agrément et puis tu es un parti politique. Mais est-ce que c'est ça Avoir un parti politique. Et en ayant un parti politique, ça fait quoi À quoi sert d'avoir un parti politique si tu sais que le, au moment que tu, tu crées un parti politique, tu n'es pas encore prêt. À quoi ça sert C'est pourquoi aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des partis politiques euh, euh, dans le sac en Guinée. Des partis politiques qui se limitent seulement au seul président du parti. Il y en a plus de 300 et quelques. Je ne veux pas figurer parmi ces 300 et quelques. Bien évidemment, même si M. Kanté crée aujourd'hui un parti politique, j'aurai des millions, des millions de, par de partis, de militants sympathisants. Mais cela n'est pas ma vocation. Je ne suis pas encore prêt pour cela. Maman Condé, je ne suis pas encore prêt pour cela. Et quand je serai prêt, une fois le moment venu, je vais créer ce parti politique. D'accord? Une fois le moment venu. Mais je ne suis pas encore pressé. Je, je suis pas pressé. Tu vas voir. Ne t'en fais pas. Tu dis, envoie ton CV. Je n'ai pas besoin d'envoyer mon CV. Mon jeune frère, je n'ai pas besoin d'envoyer mon CV. Je ne suis pas quelqu'un qui se vend. Là où je suis, je me suffis largement, maman du condé. Et si le colonel estime ou si un régime guinéen estime que M. Kanté peut être serviable quelque part, mais certainement on me fera signe. D'accord On me fera signe et je vais répondre à l'appel de ma nation. C'est ça, c'est qu'on appelle un homme. J'ai vu plein de diasporas aller en Guinée. Mais ce que tu oublies, Mamadi Kondé, la plupart des diasporas qui sont allés en Guinée, si tu prends les 100%, les 80% des là, ils ne travaillent pas en Europe. Ils n'ont pas d'emploi fixe. Ils ne vivent que de l'aide sociale, les 80%. Et la plupart ont été déçus. Ils se sont retournés. Et ils continuent de vivre aujourd'hui à travers ces aides sociales de ces pays socialistes. Je ne veux pas faire partie de ceux-là. Moi, je travaille. Je me suffis largement. Je suis rémunéré. Et je fais vivre ma famille. Je me satisfais aussi. Mais le jour que mon, mon, ma nation aura besoin de moi, avant que je ne sois représentatif, ou avant que je ne crée un parti politique un jour, ou avant que je ne sois un jour une très grande personnalité pour la Guinée, le jour que ma nation aura besoin de moi, même, même aujourd'hui, si le colonel estime que ce jeune homme-là, il peut être serviable quelque part ici, qu'il me fasse appel, je vais répondre, tout naturellement. D'accord Mais cela n'est pas encore fait. Et je ne vais pas me faire ridiculiser. Des jeunes cadrés comme moi, il y en a des millions en Guinée. Tu comprends, Mamadi Condé Moi, maintenant, en République de Guinée... Je travaille ici, je suis payé en héros. Tu comprends? Si j'évalue mon salaire en francs guinéens, peut-être que c'est des ministres qui reçoivent cela, ou bien des directeurs généraux, ou bien des secrétaires généraux. Des directeurs généraux et des secrétaires généraux qui reçoivent ce salaire. Maintenant, moi, je vais avec mon CV en République de Guinée. Je vais donner mon CV au colonel Mamadi Doumbouya. Colonel Mamadi Doumbouya, me connaissant, sachant très bien que je peux être utile quelque part. Mais aussi un autre jeune Guinéen qui est au chômage, qui, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes qualités que moi, il peut être serviable à ce côté-là. Le colonel préfère plutôt ce jeune Guinéen qui est au chômage que moi qui suis ici en Europe et que j'ai un, un emploi fixe. Et je serai très content. Parce que tout simplement, c'est un de mes frères qui va gagner un travail. Je ne vais pas créer davantage le chômage en Guinée. C'est pourquoi j'ai dit au colonel qu'il y a des jeunes intellectuels guinéens. Vous pouvez travailler avec ces jeunes-là. Ceux qui viendront de l'Europe, de l'Asie, de, de l'Amérique, ils viendront tout simplement augmenter le chômage en Guinée. Parce que vouloir les prendre tous, laisser les autres... Vous ne faites qu'augmenter le chômage en Guinée. Il y a des jeunes intellectuels, il y a des jeunes cadrés, il y a des patriotes sortant de Symphonia, sortant de Gamal, sortant de toutes les universités de la République de Guinée qui ont l'amour de la Guinée. Ils sont prêts à servir, ils ont la hargne, ils ont la volonté d'aider la Guinée. Colonel Mamadi Djumbuya, il faut composer avec ces jeunes-là. Parce que nous qui sommes à l'étranger, là, nous avons des travaux. Et Ceux qui ne travaillent pas, tant pis pour eux. Nous, nous sommes payés en héros. 000 euros, 500 euros, 3 000 euros, 1 500 euros. Il y en a qui sont payés en dollars. Ils vivent honnêtement et clairement. Mais nos frères, nos sœurs sont là, ils n'ont pas d'emploi. Ne prends pas ce diaspo-là, qui ont les mêmes compétences que nos frères et sœurs qui sont sur le terrain en République de Guinée. Il y en a même des frères et des sœurs qui sont en Guinée qui sont plus compétents que ceux qui sont, hein, qui, 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 qui sont ceux qui sont à l'étranger. Ce n'est pas seulement qu'on est sortant de Sorbonne, qu'on est sortant de Oxford ou de Havard. Ce n'est pas seulement le diplôme. On a vu l'exemple frappant avec Alpha Condé. Mais aussi l'éducation, la culture guinéenne. Nous avons des frères. La preuve en est que le colonel lui-même, c'est le fruit de la Guinée. La preuve en est que Magnan Sidibé, c'est le fruit de la Guinée. La preuve en est que le ministre des Affaires étrangères. Morissana Kouyate, c'est le fruit de la Guinée. La preuve en est que c'est le fruit de la Guinée. La preuve en est que Mohamed Béavogui, c'est le fruit de la Guinée. La preuve en est que Maître Béavogui, c'est le fruit de la Guinée. Maître Mohamed, c'est le fruit de la Guinée. La preuve, je ne peux pas donner, je ne peux pas dépasser pour ne citer que ces gens-là. C'est Koukoundouno, c'est le fruit de la Guinée. Cohérent, précis. Quand il parle, on sent que c'est un intellectuel. On sent que ce gars, il a quelque chose dans la tête. Oui, c'est le fruit de la Guinée, des universités guinéennes. Le ministre de l'économie, encore, c'est le fruit de la Guinée. Ça ne finit pas. On ne doit pas se fier à nous qui sommes ici à l'étranger. Nous, nous travaillons ici. Chaque fois, je fais des vidéos en demandant la création d'emplois. Alors s'il y a des emplois en Guinée, qu'on regarde d'abord nos frères et sœurs qui sont sur le terrain guinéen, même si nous, nous avons des diplômes valeureux qu'on sorte, de, son, qu sorte de, 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 de Sorbonne ou c'est Ce n'est pas ça, mais qu'on regarde, qu'on donne la chance à nos frères qui sont sur le terrain. Parce que la plupart des Jaspots qui descendent en Guinée, ils regardent la valeur de leur diplôme, ils se disent, mais je mérite plus. Et nos frères qui sont là, ils ne demandent pas beaucoup. D'accord Ils demandent justement de l'emploi pour, pour faire vivre aisément leur famille. Donc, on m'a dit qu'on j'ai pas besoin de faire, de faire valoir mes diplômes. J'ai pas besoin de faire valoir ma compétence. Si je me place devant mon colonel, Mamadi Doumbouya, avec un de mes frères guinéens qui est sur le territoire guinéen, qui galère, qui ne travaille pas. J'ai les mêmes compétences que lui. Moi, je suis en Europe ici. Je demanderai tout simplement au colonel, il faut prendre ce frère-là. Il a besoin du travail. Moi, j'ai un autre travail en Europe je peux aller. Ce n'est pas grave. De toutes les façons, je gagne plus que lui. Parce que s'il est trop payé, ça sera, dans de 200, ça sera dans la bande de 200 euros, 300 euros, 400 euros. Et moi, je gagne plus, plus, plus que ça. Donc, je ne vais pas gâcher sa chance. Maman dit, Condé, je n'ai pas besoin de faire valoir mes diplômes. Le moment viendra où tu verras M. Canté à la, à la tâche. Je ne suis pas plus grand que mon pays le jour que mon pays aura besoin de moi mon pays me fera signe et je veux répondre humblement à mon pays je vis pour ça l'amour que j'ai pour la guinée j'ai pas cet amour-là pour une autre nation donc en attendant je contribue largement à la sensibilisation de mon peuple et donc mesdames et messieurs s'il vous plaît pardonnez Mamadi maladie condé acceptez le vous savez quand on sort de prison c'est pas facile pas du tout facile donc, le jeune homme, il a besoin de se rétablir, il a besoin de se faire une image, il a besoin de revenir parce que vous le manquez beaucoup, vous le manquez sincèrement. Je vais vous dire la vérité, vous le manquez humblement. Donc, s'il vous plaît, j'ai les deux mains au dos et je suis sincère, je ne rigole pas. Wallahi billahi je ne rigole pas. Pardonnez-le, acceptez-le, c'est votre frère. Quoi qu'il ait pu dire, après sa sortie du prison, s'il vous plaît, oubliez. Composez avec lui. S'il vous plaît. Je vous en prie. J'ai les deux mains au dos. S'il vous plaît. Pardonnez, mon jeune frère. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de vos parents. Je sais que vous êtes déçus. Mais si vous croyez en M. Kanté, et si réellement vous êtes avec moi, je vous demande pardon. Pour l'amour de la Guinée, acceptez Mamadi Kondé et évitez de le critiquer sévèrement. Les erreurs, ça nous arrive tous. C'est vous qui avez fait de lui, Mamadi Condé. C'est vous qui avez fait de lui. Vous l'avez fait monter. Toute la Guinée a connu Madik Sans Frontières à travers vos partages, vous militants sympathisants de l'UFDG. N'oubliez pas cela. C'est votre fruit. C'est votre machine fabriquée. C'est vous qui avez fabriqué Madik Sans Frontières. Vous avez fait de lui ce qu'il est, qu est aujourd'hui. Ne le lâchez pas. S'il vous plaît, ne le lâchez pas. Donnez-lui une seconde chance. Permettez-le de se racheter. Je vous en prie. Je vous en prie, à cause de vos enfants et de vos parents. C'est un frère. C'est un frère d'une même mère. Cette mère s'appelle la Guinée. S'il vous plaît. Donc, je ne vais pas me répéter. Maman dit Condé, m'a dit que sans frontières. Il faut savoir tout simplement que moi je t'aime. Je suis ton grand frère, je t'aime. Je ne suis pas quelqu'un qui s'attaque à mes frères. Et je sais aussi que tu ne t'es pas attaqué à moi dans le mauvais sens. Et justement, c'est comme ça que j'ai accueilli ton message. Donc je demande pardon en ta faveur. Que tes abonnés puissent te pardonner. Et que toutes les personnes qui ont été déçues après ta sortie de prison, qu'elles te, qu qu te pardonnent. Qu'elles t'acceptent. Et qu'elles continuent de partager et de faire de toi ce que tu es. Et désormais, je vais, plus, je vais te dire beaucoup d'être très intelligent et euh, d'être beaucoup plus cohérent et euh, de ne pas te... C'est-à-dire, il ne faut pas déborder, quoi. Tu vois Et euh, voilà, les mots me manquent. Parce que quand je pense à l'histoire de Madique sans frontières et de tous ces événements, je pense que c'est émotif, au fait, voir un jeune homme vaillant comme ça sur les réseaux sociaux euh, qu'on a pris en Guinée, en prison, parce qu'il défend... Évidemment, une cause. Madik a été injustement en prison, vous devez comprendre cela. Il a été injustement en prison. Parce qu'il a défendu son pays de par sa manière. Et à cause de ça, il a fait la prison. Injustement. Billah et injustement. Madik, c'est comme les Funikimengue. Ils ont tous été emprisonnés injustement. Voyez-vous. Donc, euh, mon cher frère, si tu as besoin de quelques conseils, tu peux m'appeler. Ok Tu peux m'appeler. Mon numéro, c'est. Je te donne, comme la plupart des gens ont ce numéro, sait le numéro du moins, mon numéro c'est le 0033 euh, 605 69 11 41. Je répète encore pour toi, Maddie Sans Frontières, c'est le 0033 605 69 11 41. Encore une troisième fois, le 0033 605 11 41. Tu peux m'appeler si tu as besoin de quelques conseils. Et tu peux m'appeler en privé, on peut communiquer. Voilà. Et puis, c'est pas un clash. Moi, je t'admire beaucoup. Je t'aime de ta façon de faire les choses. Tu es un jeune Guinéen qui se cherche comme tout le monde. Voilà. On sera ensemble. On va te tenir les bras. Tu es un révolutionnaire. Voilà. Et moi, je suis un visionnaire cadré. Je pense que ta révolution, ton état d'esprit, avec ma vision aussi qui est cadrée, je pense que ça pourra beaucoup aider la Guinée. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'inscrivent dans la même logique que nous. Voilà, Madik Sans Frontières, Tolaba et Tidiane La Puissance. Euh, euh, voilà, il y a aussi Nabilay, il y a Agile King. Euh, voilà, on peut aussi repêcher Mahmoud Silla. Voilà, parce que Mahmoud Silla, bien qu'il soit du côté du RPG Arc-en-Ciel, quelquefois il est cohérent. Et je pense que, voilà, on peut le repêcher pour essayer de construire un bloc. Nous, les jeunes, même mon jeune frère aussi, uh, uh, Ansou Damaro, qui est du côté du RPG, on peut aussi le repêcher pour construire ce bloc, pour se donner la main, nous, les jeunes. On n'a rien à perdre. On a beaucoup à gagner quand on se donne la main. Ça ne sert à rien. Les Marie Sissoko, voilà, les Benito, on peut tous se réunir. Nous avons de la capacité, nous avons de l'énergie positive. Nous pouvons faire quelque chose ok, pour l'union, pour l'unification de la Guinée. On peut. Nous, les jeunes qui sommes sur les réseaux sociaux, sans oublier aussi Barakatigi, la princesse, moi-même, c'est ma jeune sœur, voilà, et qui d'autre encore, voilà, le, le, le jeune, comment on l'appelle, le Fonike Kuntigi, n'est-ce pas, président des quatre coordinations de la Guinée, nous avons besoin de l'énergie positive de tout le monde. Voyez-vous, tous ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, on peut se rassembler. On a quelque chose de positif. On laisse nos différents de côté. On se donne des idées. OK On se donne des idées. On peut apporter. Parce que. Nous qui avons osé sortir sur les réseaux sociaux, nous qui donnons souvent des solutions de développement, des solutions de sortie de crise. Si aujourd'hui, les leaders politiques sont incapables de faire cette, de, 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 de construire cette harmonie, nous qui sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous qui alimentons ces réseaux sociaux-là, qui alimentons ces partis politiques-là, je vous jure sur l'honneur, en se donnant la main, on peut créer l'entente entre les, les partis politiques. Et c'est la Guinée qui en bénéficie. Ça ne sert à rien que chacun soit de son côté, parler de n'importe quoi. Voyez-vous Donc, euh, Mamadi Condé, tu vois maintenant euh, l'esprit large que j'ai eu, la vision euh, large que j'ai eu. Donc, euh, euh, j'ai besoin aussi euh, voilà, de l'accompagnement de tous nos abonnés, des personnes qui nous accompagnent, euh, qui, qui partagent nos vidéos, qui font de nous ce que nous sommes. Euh, parce que grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes connus. OK Grâce à vous, les, les vidéos de M. Kanté sont partagées. D'ailleurs, toutes les autres vidéos sont partagées. Voyez-vous Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Partagez le live, vous qui allez regarder après la vidéo, partagez. Et puis, Inch'Allah, dans les jours à venir, vous aurez encore de meilleures choses. Je vous aime, je vous love, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Vive la Guinée, vive l'unité, vive l'harmonie, vive la paix, vive le progrès, vive le développement, vive la justice. Merci beaucoup. A demain, inshallah.